C'est pour ça qu'on fait des films, c'est pour essayer de comprendre quelque chose du monde et de nous-mêmes. La famille reste ce qu'elle a toujours été, la matrice du vivre ensemble. La famille, c'est le socle de la névrose. Oui, mais on va pas dire ça. Et pourquoi pas ? On essaie déjà de faire des plans pour faire advenir une sorte de beauté, saisir une lumière, un regard, un corps. Ça peut suffire à me raconter quelque chose. On ne sait jamais comment naissent les films. Ils naissent d'une scène, d'un personnage. Ça s'agrège comme ça, ça se développe. Puis on découvre des thèmes, et puis on creuse, et puis on recommence tout. Et ça finit par s'appeler La Sainte Famille. Après, il y a un scénario où on essaie de cacher les choses à dire, parce que c'est comme ça qu'on les ressent le mieux. C'est la partie cachée de l'iceberg qui fait la solidité des choses, qui produit du sentiment et de la sensation. Quand j'ai lu le scénario, j'ai vraiment beaucoup ri. J'ai trouvé que les dialogues étaient extrêmement bien écrits. Le personnage de Marie-Laure, moi, m'a plu et me ressemble assez, je dois dire, dans un côté où je suis assez famille, comme je suis assez en retrait. Mais elle, c'est un personnage qui cherche à retrouver sa place dans sa famille. C'est ça qui est beau. Et je trouve que Louis-Do a vraiment réussi à mettre en valeur les doutes qu'on peut avoir, les secrets de famille, et avec beaucoup d'humour et avec beaucoup de second degré. Et c'est la première fois où j'entendais les réactions aussi du public. Et c'est intéressant parce qu'ils rigolent pas quand tu penses qu'ils vont rigoler. On est complètement surpris. J'ai décidé de tutoyer mes enfants maintenant parce que c'est grotesque, ce vouvoiement à la langue, non ? Tu trouves pas ? Et nous, on peut te tutoyer ? Ah non ! Parce que les gens renvoient des choses très belles sur le film, qu'on mesure même pas, peut-être ils m'éclairent sur ce que j'ai voulu faire. Et c'est pour ça qu'on fait des films, c'est pour essayer de comprendre quelque chose du monde et de nous-mêmes.